Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Philippe Dussard d'Entreprendre en Afrique et aussi fondateur de l'entreprise EB Digital Group. Aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour résoudre un problème bien spécifique. Il s'agit du problème de la vente. Aujourd'hui, plusieurs entreprises ont du mal à pouvoir écouler leurs produits sur le marché national qu'international, du fait que ceux-ci n'ont pas des stratégies nécessaires pour pouvoir vendre un produit bien spécifique. Cela se découle par, premièrement, les employés généralement qui ne maîtrisent pas l'art de la vente et qui ont du mal à pouvoir convaincre un client en face, proposer les services sur un meilleur angle afin de pouvoir susciter l'intérêt à un client bien spécifique et de pouvoir acheter le produit en question. Vous voyez un peu. Donc, et certains, même généralement, le produit est de meilleure qualité, mais les vendeurs ont du mal à pouvoir galvaniser davantage le client afin que celui-ci puisse acheter le produit. Ceci parce qu'ils ne maîtrisent pas les informations du produit de fond en comble. Ils ne maîtrisent pas quelles sont la composition du produit. Comment est-ce que c'est étiqueté? Toutes ces informations font en sorte que le client, généralement, est en doute face à votre produit. De ce fait, nous avons créé toute une formation qui permet non seulement aux chefs d'entreprise de pouvoir savoir quelles sont les nouvelles stratégies de vente de leurs différents produits. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec un monde qui devient de plus en plus numérisé, des techniques de vente sont de plus en plus développées et ça devient de plus en plus dynamique au fur et à mesure que le temps évolue. Donc, si vous êtes par exemple dans un secteur d'activité dans l'automobile, vous savez que vous devez savoir que pour écouler un certain type de véhicule, vous devez faire face à un certain standing. Par exemple, si vous vendez par exemple des véhicules de marque Tesla, vous devez savoir comment sont constitués ces types de véhicules. Quelle est la technologie qui s'y cache derrière? Vous savez que les véhicules de marque Tesla généralement sont conçus, on peut dire, dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la programmation, sont des voitures électriques et qui fonctionnent aussi avec des codes informatiques et toute l'ingénierie artificielle qui découle. Donc, vous devez maîtriser le produit en question, maîtriser tous les rouages du produit pour pouvoir mieux le présenter face à un client bien spécifique. Alors, au cours de cette formation, il y a plusieurs thèmes que nous allons gérer afin de pouvoir vous donner les outils nécessaires pour pouvoir convertir un client en prospect. Et vous aurez comment? Vous aurez comme ça, au cours de cette formation, la gestion de la gestuelle. Comment est-ce que vous devez vous comporter quand vous avez un client en face de vous? Quels sont les gestes à tenir pour pouvoir mieux converser avec la personne en question, pour susciter l'intérêt d'acheter le produit en question? Nous allons aussi gérer la posture. Comment est-ce que vous devez vous placer face à un client qui est intéressé de votre produit? Cela va lui permettre de pouvoir effectuer ou bien voir est-ce que vous êtes confiant, est-ce que vous maîtrisez le produit, est-ce que le produit est fiable. Tout ceci pour lui permettre d'être confiant lorsqu'il achète le produit en question. Et aussi, tout au cours de cette formation, on va aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour gérer la gestuelle. Bon, il n'y a pas la gestuelle. Bon, on va vous montrer plutôt comment est-ce que vous pouvez faire pour développer les attitudes de communication. Comment est-ce que vous devez communiquer face à un client bien spécifique? Parce que vous devez savoir que les clients sont ondoyants et divers. La façon dont tu te prends avec un client X est différente de la façon dont tu vas te prendre aussi avec un client Y. Donc, et tout ça, on va vous montrer au cours de cette formation en fonction du type de personnes qui se trouve en face de vous. Parce que vous savez, chaque personne a, il peut dire, une personnalité. Si je me permets de faire la tautologie, les gens sont ondoyants et divers, mais il y a six traits de personnalité et vous devez savoir quel trait de personnalité fait face à votre client afin de savoir quelle est la stratégie à adopter pour pouvoir mieux converser avec le client en question. Et cela, on va traiter cela sur les attitudes de communication. Et ajoutez aussi à la formation, vous devez savoir, ou bien on va vous former sur les techniques de vente. Parce que vous savez, aujourd'hui, en 2022, les techniques qu'on utilisait il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans en arrière ne sont plus les mêmes que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir vendre ou bien écouler un produit ou un service bien spécifique. Donc vous êtes obligé, si vous êtes entrepreneur ou bien vous avez un produit que vous-même vous vendez, de pouvoir mettre des techniques de vente à jour, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez faire, quelles techniques est-ce que vous pouvez utiliser pour vendre un produit, pour vendre vos services, parce que, comme je le disais tantôt, une entreprise ne vit que sur la vente et vous devez absolument vendre un produit si vous aspirez à ce que votre entreprise perdure dans la durée. Alors, on va vous montrer comment
tout quelles sont les différentes techniques de vente que vous pouvez utiliser pour écouler le produit. Et pour terminer, on va aussi montrer comment est-ce que vous devez utiliser un vocabulaire assez aisé ou bien un vocabulaire un peu soutenu. Ça va dépendre de la clientèle qui est en face de vous. Comme pour dire quoi, on va vous montrer comment, quel vocabulaire à utiliser par exemple pour convertir de façon appropriée un prospect et ainsi vous faire une marge bénéficiaire ou bien pour faire croître votre entreprise. Alors, si vous êtes par exemple entrepreneur, si vous êtes chef d'entreprise, bien si vous avez même une activité que vous êtes en train de développer, que vous avez du mal à vendre votre produit, cette formation est faite pour vous. Donc, contactez-nous. Il y a un lien au bas de cette description. Il y a aussi au bas de ce lien une formation. Bon, je veux dire, le lien qui est au bas de la description est un lien Google Forms. Vous allez y aller et remplir le lien, y mettre vos informations et nous pourrons vous contacter pour prendre en charge votre cas et en fin de compte, vous faire part de la situation, vous faire part de la formation en temps pour moi et ainsi au fin de cette formation, vous en tirez les bénéfices nécessaires. Alors, à très bientôt et on se voit derrière.